Allora, scusate per questo ritardo, è dovuto a inconvenienti tecnici, quindi buongiorno e benvenuti a questa mattinata organizzata dall'IROMA e all'Initalia. Siamo molto lieti e onorati di ospitare Christian Firenze, che ringraziamo molto per aver accolto questo invito, un invito che speriamo utile a far conoscere tra di noi il suo straordinario lavoro. Ringraziamo molto anche Jania Jerkov per essersi adoperata a realizzare questo incontro tanto atteso. Christian Firenze è psichiatra, psicanalista, psicologo clinico e membro di Questionnement Psychanalytique dell'Association Lacanienne Internationale e dell'Association Freudienne de Belgique. Bonjour à tous et navré pour ces petits désagréments techniques qui nous font commencer un peu en retard. Bonjour et donc bienvenue à cette matinée organisée par Aliroma et Alinitalia. Nous sommes très heureux et très honorés de pouvoir accueillir Christian Ferenc, que nous remercions pour avoir accepté cette invitation. Une invitation qui, nous l'espérons, fera connaître ici en Italie l'extraordinaire travail de Ferenc. Nous remercions aussi vivement Yania Yakov pour s'être efforcée de faire advenir cette rencontre tant attendue. Christian Ferenc est psychiatre, psychanalyste et docteur en psychologie. Il est membre de Questionnement psychanalytique de l'Association Lacanienne Internationale et de l'Association Freudienne de Belgique. Allora, inoltre Christian Firenze ha scritto dei bellissimi commenti ai seminari di Lacan, pensiamo per esempio ai suoi commenti sull'identificazione, l'angoscia, l'étourdi, che peraltro verranno presto tradotti dall'editore Castelvecchi. Attorno ai suoi seminari si raccolgono infatti psicanalisti d'Europa e del Sud America. Firenze è autore di moltissimi libri e No, articoli. mettiamo sulla cassa. Potrò citarne solo alcuni, per esempio Lecture de l'identification de Lacan, che è del gennaio 23, Tenir pour vrai del 2020, Le principe de jouissance, sempre del 2020, Lecture du symptôme del 2018 e molti altri, ma devo stringere, quindi mi fermo qui. De surcroît, Christian Ferenc a écrit de magnifiques commentaires au séminaire de Lacan. Nous pensons à ceux sur l'identification, l'angoisse et l'étourdi qui seront bientôt traduits chez Castelvecchi. Et autour de ces séminaires se rassemblent des psychanalystes de l'Europe et de l'Amérique du Sud. Ferenc est en outre l'auteur de nombreux ouvrages et articles, parmi lesquels je rappellerai Lecture de l'identification de Lacan en janvier 2023. Tenir pour vrai le principe de jouissance, lecture du symptôme, mais je vais m'arrêter là pour ne pas citer toutes les références. Allora, a discutere il suo intervento sarà la dottoressa Jania Jerkov, psicanalista e membro del direttorio dell'ALI. È stata a lungo professoressa all'Università di Roma La Sapienza, nonché presidente di ALI Roma. Prima di lasciare la parola a Christian Firenze, desidero molto ringraziare Miriam Capaldo per il suo straordinario lavoro grafico e mediatico, Cristina Guarnieri che dirige tutti i nostri eventi Zoom, Michela Marino per tutto il suo lavoro di scambio e contatto e Lila Kumar per il suo prezioso lavoro di traduzione. Un grazie particolare ancora una volta in questa circostanza va a Jania Jerkov che ha peraltro tradotto in italiano la conferenza che vedrete scorrere sullo schermo di Christian Firenze. Alors, ce sera Yania Yakov qui discutera son intervention. Psychanalyste et membre du directoire de l'ALI, elle fut longtemps professeure à l'Université de Rome, La Sapienza, mais aussi présidente de l'ALI Roma. Et avant de laisser la parole à Christian Fierens, je tiens à remercier Myriam Capaldo pour son extraordinaire travail graphique et médiatique, Cristina Guarnieri, qui dirige nos événements sur Zoom, et Michela Marino pour tout son travail d'échange et de contact. Un remerciement particulier dans les présentes circonstances à Yania Yakov, qui a traduit par ailleurs la conférence de Christian Ferenc. Adesso diamo quindi la parola a Christian Firenze, il cui intervento si intitola La posta in gioco del seminario Ancor e ci ritroveremo poi per la discussione con Jania Jerkov. Grazie. Je donne donc la parole à Christian Ferenc. Son intervention s'intitule L'enjeu d'Ancor. Et puis, bien évidemment, nous nous retrouverons ensuite pour la discussion.
Bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfaitement. Très bien. Oui, oui, tout à fait. Mais d'abord, je vous remercie beaucoup pour ces gentils mots que vous avez prononcés d'introduction. Je vous remercie aussi pour cette invitation. Je suis vraiment touché de cette invitation et du travail en même temps que ça m'a permis de faire. Je pense donc que vous avez le texte italien devant vous, ou bien comment est-ce que ça va se prononcer? Oui, le voici. D'accord. Tandis que vous parlez. Alors moi, il faudrait que je trouve mon texte français parce que la lecture du texte italien sera assez catastrophique. Et donc, je l'avais sur mon... sur mon écran, mais avec les... Voici que le texte... Donc, il faut que je retrouve mon texte. Et il y a le zoom qui prend tout mon écran. Attendez, j'ai un petit problème. Donc. Ho sospeso un attimo la registrazione. Pour vous aider un petit peu, vous pouvez faire sur votre écran ou à droite, vous faites sortir de l'écran complet. Oui, ça vous permet ensuite de minimiser. Ah. Voilà, donc encore un grand merci pour cette invitation. Mais là, de nouveau, j'ai perdu le... j'ai le texte italien. Dès que le texte italien s'affiche, mon texte disparaît. Je ne sais pas comment je... L'enjeu du séminaire encore est clairement de refonder la psychanalyse. L'enjeu est donc fondamentalement philosophique. Cette refondation de la psychanalyse a des conséquences pratique que je veux vous faire entendre aujourd'hui. C'est mon propos d'amener au jour ce qu'il faut faire pour vraiment tenir compte de l'inconscient. L'enjeu est donc radicalement clinique et la clinique doit être prise depuis sa racine philosophique. Dans la leçon 11, Lacan revient à l'inconscient, retour à Freud, non pour le commenter, mais pour refonder l'inconscient à la base. Je reprends deux phrases. L'inconscient, ce n'est pas que l'être pense. L'inconscient, c'est que l'être, en parlant, jouisse. La première phrase, l'inconscient, ce n'est pas que l'être pense, est la destruction de ce que l'on pense généralement de l'inconscient. Peut-être en suivant Freud. D'une part, l'inconscient, c'est vraiment quelque chose, c'est un être. D'autre part, cet être a une activité qui consiste à penser en déformant ses pensées, qui sont originairement normales, mais qui ont été refoulées pour une raison ou l'autre, via les mécanismes de condensation, du déplacement, de mise en scène et d'une élaboration secondaire, l'inconscient forme ses propres produits. Les formations de l'inconscient, rêve, lapsus, acte manqué, symptômes, etc. Conséquence clinique, la psychanalyse consisterait à défaire toutes ces formations qui ne sont que
déformation pour retrouver les pensées originaires et normales que le travail de l'inconscient a refoulées. Le travail de la psychanalyse consisterait essentiellement à interpréter l'inconscient. Et ce travail s'appuierait sur un désir de savoir. C'est une clinique possible, praticable et pratiquée dans le champ même de la psychanalyse. Mais feu sur cette façon de penser l'inconscient. L'inconscient, ce n'est pas que l'être pense et il n'y a pas de désir de savoir. La deuxième phrase dit maintenant ce que c'est. L'inconscient, c'est que l'être, en parlant, jouisse. Ah, voilà, maintenant nous savons ce que c'est que l'inconscient. L'ennui, c'est que fondamentalement, trois termes de la proposition, l'inconscient, l'être, la jouissance, ne savent pas et restent radicalement en dehors du savoir. Nous partons donc du quatrième, la parole. La parole est la langue, et on pourrait dire S1, ce que fait le discours psychanalytique, son produit. Le langage, pour Saussure, se compose d'une partie de compétence, la langue en deux mots, et d'une partie de performance, la parole. La langue est l'objet de la linguistique, la parole est ce que l'on peut faire avec la langue. À première vue, il semblerait intéressant de développer d'abord ces compétences théoriques avant de se lancer dans des performances pratiques. Donc, à première vue, il semblerait judicieux que le psychanalyste se base sur une étude sérieuse de la langue, on pourrait dire la linguistique de Saussure, de Chomsky et de Lacan, si elle existe, avant d'entrer dans la psychanalyse comme pratique de la parole. Or, comme l'a montré le linguiste Jean-Claude Milner dans la leçon 10, la linguistique, qu'elle soit structuraliste ou générative, présuppose chaque fois que la langue va être employée dans une parole qui consiste en la communication d'un savoir entre deux personnes, le locuteur et l'interlocuteur. Autrement dit, la linguistique suppose la dite intersubjectivité, c'est-à-dire deux dits sujets. Voilà pourquoi la linguistique de Saussure est une linguistique du signe, pas du signifiant, lequel signe se définit comme ce qui représente quelque chose pour quelqu'un. Et la linguistique du signe suppose la communication de signes entre deux quelqu'un, le locuteur et l'interlocuteur. Pourrait-on dire que la psychanalyse se joue entre deux sujets, l'analyste et l'analysant? Mais justement, le petit truc du divan vise à mettre en jeu une parole qui ne consiste pas en cette communication intersubjective. Ce n'est pas un dialogue où l'on s'échangerait des signes, et d'ailleurs, en général, il n'y a pas de dialogue, pour autant que dans le soi-disant dialogue, chacun essaye toujours de tirer la couverture de son côté et de faire dire à l'autre ce que lui-même veut dire. Et donc,
il ne faudrait en aucun cas que le psychanalyste veuille faire dire à l'analysant ce que lui-même veut dire, quand bien même penserait-il qu'il faudrait inculquer à l'analysant la vérité de son inconscient, ce que faisait encore régulièrement Freud. Dire, voilà quelque chose qui se présentait comme en dehors de la linguistique. Le dire relevait simplement de l'usage, de la performance propre à la parole. Or, le philosophe du langage, Austin, prend en considération comment la langue suppose que l'on puisse faire des choses avec les mots. How to do things with words. Le titre de son ouvrage a été traduit en français. Quand dire, c'est faire. On est apparemment dans la performance. L'usage de la langue fait quelque chose. Quand le juge dit « vous êtes condamné », ben vous êtes condamné, même si vous êtes innocent. Quand, dans la cérémonie du mariage, chacun des mariés dit qu'il prend l'autre pour légitime époux, ils sont mariés dans le dire qui fait mariage, même si l'un des deux a déjà la volonté de tromper l'autre. Ces performatifs montrent bien le faire dans l'usage de la langue. Mais le faire lié au dire est bien plus radical que ce performatif. Ce performatif que le discours psychanalytique évite d'ailleurs systématiquement. Le psychanalyste ne juge pas, que son patient est psychotique, pervers, névrosé, etc. et ne scelle aucune union, aucun rapport, pas de rapport sexuel, c'est l'abstinence. C'est qu'il s'agit de laisser se mettre en œuvre un faire lié au langage bien plus radical, non pas l'invention d'une prison ou d'un mariage, mais l'invention de la langue, en un mot, de sa propre langue, langue de l'inconscient. Voilà en quoi l'inconscient est structuré comme un langage. Il est dans la performance de créer sa compétence dans le jeu de la langue. Il crée la langue qui lui est propre, et cette création est le plein sens de la parole. Voilà ce que recherche la pratique psychanalytique. Tout autre chose qu'une linguistique, la linguisterie. Ça produit évidemment des bêtises et la règle fondamentale peut se formuler, dites des bêtises, ne triez surtout pas. Tout ce qui est produit ainsi, phonèmes, mots, phrases, discours, lapsus du corps même, tout vaut comme signifiant, plus précisément comme signifiant potentiel S1. Disons déjà que S1 est le dit produit du discours psychanalytique. Le signifiant maintenant est le S de grand tabaret. C'est maintenant ce que fait le discours hystérique, son produit. Et qui lui a fatto un'aggiunta, il significante S di A barrato, ciò che fa il discorso isterico, il suo prodotto. Le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant. Qu'est-ce que ça veut dire pour un autre signifiant? Si le signifiant est une bêtise d'association libre, de symptômes, de rêves, etc. Le premier signifiant représente le sujet en tant que ce sujet bien hypothétique aurait produit ce premier signifiant S1.
Mais cette représentation ne se joue pas pour quelqu'un. Nous ne sommes pas dans le cadre de la communication entre sujets. Cette représentation est pourquoi, pour que faire, pourquoi produire. Nous pouvons d'abord dire qu'il représente le sujet pour un autre signifiant S2 qui pourrait l'interpréter, et c'est ici le lieu du grand autre, supposé savoir. Autrement dit, la mise au travail du signifiant S1 de la bêtise doit mener à S2 qui vaut comme un certain savoir. Nous pourrions déjà caractériser l'hystérie par cette production de savoir. Mais plus précisément, l'hystérie ne produit pas de savoir consistant. Elle ne produit pas de traité de psychologie. Ce que l'hystérie produit, c'est le savoir qui prend en point de mire le signifiant maître de son partenaire ou de son supposé partenaire. Ah, voilà donc l'intersubjectivité qui revient à la charge. Mais c'est pour le détruire. Tu prétends m'aimer, mais c'est de la foutaise. Ton amour n'est qu'un égoïsme camouflé. Toute la maïeutique de Socrate est orientée vers la production d'un savoir qui n'est rien d'autre que la destruction d'un supposé savoir magistral de ce qu'est le beau, l'amour, la justice, le sophiste, etc. Et ça aboutit à un savoir réduit à zéro et à la destruction de l'autre, du partenaire supposé consistant. Socrate, en magnifique hystérique, produit un savoir spécifique, le degré zéro du savoir, qui vaut comme le signifiant de ce que l'autre ne sait pas, signifiant du grand autre barré. Cette production est fondamentale dans l'analyse, bien plus importante que de savoir ou penser savoir la supposée substance du beau, de l'amour, de la justice, de l'inconscient ou même de l'objet A qui semblait assurer la consistance de l'autre. Le point crucial de la psychanalyse est de recueillir ce S de l'autre barré. Autrement dit, de ne pas contester la contestation du maître, supposé savoir, par l'hystérique. C'est dans l'inconscient, car dans l'inconscient, il ne s'agit justement pas de montrer ce qui se pense comme être et d'abonder dans le sens de savoir ce que l'inconscient signifie pour essayer de défendre la consistance de quelque autre que ce soit. Au lieu de penser trouver ce que veulent dire la substance du beau, la substance de l'amour, la substance de l'inconscient ou la substance de l'objet A, il faut prendre acte du non-savoir absolu au lieu même du signifiant, au lieu de l'autre, du grand autre. À la place des substances pensantes, l'âme, la psyché, et des substances étendues, les choses, les individus, il convient de s'engager dans la jouissance, la dite substance jouissante, que l'on pourra approcher comme un faire absolument pratique, au sens de créateur de sa propre loi et de son propre chemin. Propre à qui ? À quoi ? À l'inconscient. La véritable éthique est celle de l'inconscient, qui s'impose catégoriquement qu'il est impossible d'amadouer ou d'effacer, quels que soient les mécanismes de défense mis en place. La jouissance, c'est l'affaire du signifiant S1, S2,
elle s'inscrit dans la suite du discours hystérique, certes, mais pour autant que l'on entende sa production comme un savoir ouvrant sur le S de grand A barré. Disons déjà que le S2 comme S de grand A barré est le produit du discours hystérique. L'amour, l'objet A et l'amour, ici c'est ce que fait le discours magistral, son produit. La jouissance qui est ouverte par la substance signifiante, par le S de grand A barré, n'est pas un signe. Elle ne représente pas quelque chose pour quelqu'un. Elle ne représente pas l'amour pour la personne aimée. Elle n'assure pas à la personne qu'elle est aimée. La jouissance de l'autre n'est pas le signe de l'amour. Leçon 1 et 13. Il nous faut voir comment jouissance et amour se situent dans le même champ, c'est une affaire de signifiant, mais de façon complètement différente. La jouissance est focalisée sur le S2 comme S de grand A barré, et disons-le déjà, il n'y a pas de rapport sexuel. L'amour est focalisé sur un pur S1, une pure bêtise comme le col de chemise de Picasso pour sa perruche, et apparemment il y a un rapport sexuel possible. Chacun des amoureux se focalise sur un S1 quelconque chez l'autre. Picasso était amoureux des plumes de sa perruche. Et prend ce S1 pour la cause de son désir, pour son objet A. C'est la constitution de l'objet A dans un discours magistral où c'est l'aimé avec son S1 qui tient la position de semblant de maître pour se présenter comme la cause du désir de l'amoureux. Disons déjà que le petit a est le produit du discours magistral. J'ai ainsi dégagé l'invention des trois lettres introduites dans la leçon 4 et reprises dans la leçon 9, les trois lettres qui vont expliquer le discours psychanalytique. Phi comme S1, S de grand A barré comme S2 et le petit a comme semblant du discours psychanalytique. On remarque tout de suite qu'il manque le sujet barré qui anime pourtant le discours psychanalytique en la personne de l'analysant. Donc la question de l'âme et le sujet barré. Je précise pourquoi le sujet barré manque dans les lettres citées par Lacan. Et qui lui a fatto l'aggiunta preciso perché il soggetto barrato manca nelle lettere citate da Lacan. Malgré les apparences, il n'y a pas de rapport sexuel dans l'amour et ce n'est pas un constat ou une calamité. Je dis déjà, c'est une position éthique. Le S1 et l'objet A prélevés chez l'aimé ne sont jamais que ceux qui lui sont prêtés par l'amoureux. L'amour est essentiellement narcissique. Je m'aime moi-même, je m'aime, moi je m'aime. Mais qu'est-ce que ce « je » Qu'est-ce que ce « moi » Le « moi » est essentiellement le mouvement de développement du « moi », disait Freud. « Moi » ou « je » n'existe que dans le mouvement de questionner le verbe « aimer ».
le mouvement de son animation, de son âme, l'âme, âme, l'âme, le je, le moi, l'âme commence à exister, exister, en sortant du processus d'âmer ou d'aimer. Entre âme et âme, il n'y a pas de section, il n'y a pas de sexe. Il n'y a que le verbe, le processus âmé, et il n'y a pas de rapport sexuel. Fondamentalement identique, l'amour est toujours réciproque. C'est toujours une supposition, et elle est toujours controuvée. D'abord le verbe, ensuite vient le sujet. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Je dirais, si vous me permettez, c'est en amant que l'on devient hameçon, âme pour une autre âme, et si la libido soutient toute la pensée et toute la réalité, il faut bien le dire, c'est en pensant que l'on devient pensum, c'est en pensant que l'on devient être pensant. Je pense, donc je suis. Mais l'inconscient, ce n'est pas que l'être pense. Et l'inconscient, ce n'est pas l'amour, quoi qu'il en paraisse dans le transfert. Une faille radicale sépare la pensée de l'être, notamment dans le cogito cartésien. Pas possible que je me présente à la fois comme une substance, l'être d'une âme immortelle, et comme un penser, un mouvement, un aimer. Ou je ne pense pas, ou je ne suis pas. En transposant pour l'amour, ou je n'aime pas, ou je ne suis pas une âme substantielle. Et voilà détruite la belle prétention de l'amour. Amour barré. Et voilà détruite la belle démonstration du sujet, sujet barré. La question du sujet commente toute la structure des discours. Et nous verrons que la question de l'amour court dans toute la ronde des discours. Alors, la question du sujet, sujet barré, est la structure des discours. Le séminaire encore vient juste après L'étourdi, écrit pendant l'été 1972. L'un et l'autre traitent essentiellement du discours psychanalytique. Les deux écrits, encore et L'étourdi, dépendent de la structure des discours, laquelle est élaborée à partir de la formule où je ne pense pas, où je ne suis pas, dans le séminaire sur la logique du fantasme, et plus ou moins abouti dans l'envers de la psychanalyse. Où je ne pense pas, où je ne suis pas, n'est pas une disjonction stricte. Elle exclut certes je pense et je suis, mais il reste non pas deux, mais trois possibilités. Primo, je ne pense pas et je suis. Secundo, je ne suis pas et je pense. Et puis encore, tertio, je ne pense pas et je ne suis pas. Ces trois possibilités, plus la disjonction de départ, constituent en fait les quatre places des discours, et notamment du discours psychanalytique. Et donc, vous avez le tableau, je suppose en italien, où vous avez donc dans le coin gauche la place du semblant, avec l'objet A dans le discours analytique, dans le coin supérieur droit, le point de départ où je ne pense pas, où je ne suis pas, qui est la place du travail, ou du sujet barré dans le discours analytique. Dans la
le carré inférieur gauche, vous avez « je ne suis pas et je pense », place de la vérité, S de grand tabaret dans le discours analytique. Et puis en bas à droite, « je ne pense pas et je ne suis pas », la place dite du produit, qui est le S1 ou le phi ou la bêtise dans le discours analytique. Le sujet barré n'était pas repris dans la liste des trois lettres du discours analytique parce qu'il est à une place de travail pour produire ces lettres. Mais qu'est-ce qu'une lettre? C'est le produit du travail d'un discours, comme on l'a vu pour le discours psychanalytique qui produit la lettre S1. Pour le discours hystérique qui produit la lettre S2 ou S de grand tabaret, et pour le discours magistral qui produit la lettre A. Tous ces produits peuvent apparaître comme les gadgets de jouissance offerts par chacun de ces discours. Le gadget des objets de consommation pour le discours magistral. Le gadget des savoirs et des contestations pour le discours hystérique. Le gadget des signifiants pointés dont se délecte le psychanalyste en s'accaparant du discours psychanalytique pour en faire son propre discours, le discours de l'analyste. Et on peut tourner indéfiniment en rond dans le discours gadget, quel qu'il soit, y compris le discours de l'analyste, avec une jouissance relative, mais une jouissance de toute façon dégradée. Seconde par rapport à la vraie question de la jouissance, que j'ai appelée principe de jouissance, et que d'autres, mais pas Lacan, nomment la jouissance autre. La construction de la structure des discours par le truchement de « ou je ne pense pas » où je ne suis pas, implique cependant que le dit produit n'est fondamentalement pas un résultat acquis, commercialisable, thésaurisable. Bref, le produit n'est pas un produit, c'est un pur rien de pensée et rien d'être. Ainsi, l'objet A produit par l'esclave du discours magistral, ce n'est pas la poterie qui l'a façonné, mais le vide, le creux, le trou du pot. Ainsi, le savoir produit par le discours hystérique, c'est un trou de savoir. Ainsi, le signifiant produit dans le discours psychanalytique, c'est le signifiant sans signifier. C'est chaque fois la jouissance d'un rien de pensée et rien d'être. Et je ne pense pas, et je ne suis pas. Repartons de la question du je, la question du sujet, la question du sujet barré. Je cite Lacan dans les écrits. Je suis à la place de l'autre, où se joue le passage du grand autre au grand autre barré. Je suis à la place d'où se vocifère, où la voix. Quatrième forme de l'objet A, est portée pour dire que l'univers est un défaut dans la pureté du non-être. Autrement dit, toutes les petites jouissances gadgets ne sont qu'un défaut dans la pureté de la place du non-être où je suis. Cette place où je suis, je cite Lacan, s'appelle la jouissance. Cette affaire de jouissance d'un rien de pensée et rien d'être, produite par le questionnement du sujet où je ne pense pas, où je ne suis pas, est proprement impossible. Cet impossible vient s'inscrire à la place de la jouissance comme non-être. C'est la lettre qui vaut comme butée sur le rien, l'impossible de la pensée.
et comme buter sur le rien l'impossible de l'être. On lit clairement le rien de la lettre dans les trois lettres du discours psychanalytique. L'objet A comme rien, le savoir S2 comme nul, le phi S1 comme pure bêtise. N'importe quel discours a ceci de bon qu'il fait de la lettre. Leçon 4. Le discours, chaque vrai discours, avec la lettre produit une jouissance exquise, le principe de jouissance, contrairement au discours dégradé qui se contente de la jouissance dégradée d'un produit gadget qui permet au discours de tourner sur lui-même. Alors, j'en viens à la ronde des discours et la lettre d'amour. Prenons en charge la lettre produite par le discours, autrement dit, l'impossible du produit. L'inconscient, c'est que l'être, en parlant, jouisse. Que l'être en parlant jouisse veut dire qu'il aboutit à la lettre, à l'impossible du discours. Et cette impossibilité de jouissance, comme ne pas penser et ne pas être, est prise pour la vérité. Mais c'est la vérité, c'est la place de vérité dans un autre discours. Donc, nous sommes déplacés dans un autre discours. Ainsi, partons du discours magistral et de ce qu'il produit. Produit-il l'objet A comme objet consommable? Il se dégrade aussitôt en discours capitaliste qui tourne indéfiniment sur lui-même. Produit-il l'objet A comme vide, comme creux? Il passe aussitôt au discours hystérique dès qu'on déplace cet impossible de l'objet A de la place de l'impossible jouissance du discours magistral vers la place de la vérité de cet autre discours qu'est le discours hystérique. Dans le schéma que vous avez donc sur l'écran, vous voyez donc le passage du discours du maître, discours hystérique, avec l'accentuation de la place de la lettre du discours magistral, le petit a, impossible, jouissance, donc de le déplacement de ce petit a de la place de dit produit à la place de vérité, et ça donne bien sûr le discours hystérique qui, lui, va produrire S de grand tabarri. Qui ha semplicemente commentato lo schema facendo vedere come il A nel discorso del padrone si sposta nel discorso dell'isterica nel luogo della verità e che quindi e questo poi ha questo, come conseguenza questa produzione di S di A barrato. On passe semblablement du discours hystérique au discours psychanalytique. Mais bien sûr, ici, vous voyez que la place de la lettre, je préfère dire la place de la lettre plutôt que de la place du produit, dans le discours hystérique, se déplace vers la place de la vérité dans le discours psychanalytique. Qui, il si vede in questo passaggio dal discorso isterico a quello psicanalitico. Lo spostamento, diciamo, della lettera, lui preferisce chiamarla lettera anziché prodotto, dal posto appunto dal posto del prodotto al posto della verità nel discorso psicanalitico. Ces changements de discours sont fondamentaux pour la psychanalyse.
le passage du discours, discours magistral au discours hystérique se joue dans la mise en question hystérique de la position magistrale du sujet supposé savoir. On peut le lire dans le rêve de la spirituelle bouchère. Freud est d'abord dans la position magistrale d'expliquer à la patiente que tout rêve est un accomplissement de souhait. S1. Et la bonne esclave que la patiente doit travailler, S2, pour produire le résultat positif, petit a, la preuve de la véracité de la thèse freudienne. Mais ce résultat A est une lettre, un impossible, et non la confirmation pure et simple. En prenant cette lettre, non pour la véracité, mais pour la vérité, la spirituelle bouchère, S-barré, met au travail la thèse freudienne, S1, pour produire son S2, S de grand abarré. Et c'est elle qui ouvre le passage au discours analytique. Ce n'est pas Freud. La pratique qui consiste à laisser contester le discours magistral est nécessaire dans l'analyse, parce que l'analysant s'adresse quand même à quelqu'un qui est supposé savoir et savoir maîtriser ce qui est mis en jeu. C'est la pratique de se laisser déloger de cette position transférentielle que nous avons acceptée pour nous en faire chasser. Cette pratique de laisser faire le passage du discours magistral au discours hystérique ne suffit cependant pas. Il faut encore que le S de grand abarré, la destruction du savoir attribué au supposé savoir, soit prise non comme un produit particulier, mais pour un non-pensé et non-être, l'être de jouissance impossible et mise en place, de vérité dans un autre discours, dans le discours analytique. C'est tout l'enjeu du séminaire encore. Revenons donc à la place de encore dans la série des séminaires de Lacan. Il se constitue dans la suite du mouvement d'élaboration de la théorie des discours qui part, comme je disais, avec la mise en question du cogito, où je ne pense pas, où je ne suis pas. Cette élaboration va du séminaire 14 au séminaire 17. Secundo, ce dernier séminaire est le point final qui va servir pour une triade de séminaires, la triade des séminaires qui suit, qu'on peut lire comme une seule phrase. Donc, séminaire 18, 19 et 20. D'un discours qui ne serait pas du semblant, ou pire encore. L'intéressant dans cette phrase, c'est qu'elle se lise, c'est ma lecture, comme la suite ordonnée de trois discours. D'un discours qui ne serait pas du semblant, d'un discours qui ne serait pas le discours magistral du signifiant maître comme semblant, en passant par ou pire, par le discours hystérique ou le discours scientifique, pour arriver à encore le discours analytique. Avec encore, donc, serions-nous enfin arrivés à bon port? Le discours analytique, qui est plus celui de l'analysant que celui de la petite personne de l'analyste, a produit phi au lieu de la jouissance. La jouissance phallique semble bien en place, mais c'est encore du côté masculin. Donc, il faudrait faire la place pour un patou phallique
du côté féminin et introduire aussi une autre jouissance que la jouissance phallique, la jouissance de l'autre, de Dieu, de la femme ou des mystiques. La couverture du séminaire semble l'illustrer parfaitement, avec la Sainte Thérèse du Bernin en pleine jouissance, évidemment une jouissance autre que la vulgaire jouissance phallique. Leçon 7. Qu'elle jouisse, ça ne fait aucun doute, et nous pensons trop facilement que nous avons, avec cette autre forme de jouissance, l'apport principal du séminaire encore. Mais ça ne fait que poser le problème de la jouissance, car il est clair que le mystique, éventuellement la femme mystique, ne sait rien de ce de quoi elle jouit. C'est pour cela qu'il faut lire les mystiques pour arriver à leur point de butée. Ils ne savent rien de quoi ils jouissent. Nous ne pouvons donc pas dire qu'ils jouissent de Dieu, que c'est la jouissance de l'autre, encore moins que c'est Dieu qui jouit d'eux ou d'elle. Ce non-savoir fondamental des mystiques, de leur objet de jouissance, fait la place vide pour une débauche de littérature sur l'amour, l'amour extatique. Et il ne faudrait pas que la psychanalyse s'engage dans cette voie de la promotion de cet amour sous le prétexte d'une jouissance de l'autre, même si la couverture de « encore » semble indiquer ce chemin. Pourrait-on pourtant dire que dans la jouissance des mystiques, nous avons une autre jouissance que la jouissance phallique? Et pourrions-nous la nommer jouissance autre? Et voilà, nous aurions au moins deux jouissances différentes, la jouissance phallique et la jouissance de l'autre. Lacan était très clair à ce sujet. S'il y avait une autre jouissance que la jouissance phallique, il ne faudrait pas que ce soit celle-là, primo. Il n'y a pas l'autre jouissance, et jouissance autre est une expression inappropriée et inexistante dans tout le séminaire de Lacan. Secundo, il ne faudrait surtout pas que ce soit une jouissance de l'autre. Génitif, objectif ou subjectif, peu importe. Parce que ça filerait tout de suite dans des déluges d'amour, d'amour extatique, qui cachent la vraie question de la jouissance. Alors, que nous apporte encore? Il faut garder le fil des trois discours, magistral, hystérique et analytique, et de la production de leurs lettres spécifiques, petit a, s de grand a barré, et phi. Comme nous allons le voir dans le tableau dit de la sexuation, et que l'on pourrait mieux nommer le tableau de la jouissance, si l'on s'attarde quelque peu à la partie inférieure du tableau. Et je dis déjà que ces trois lettres sont les trois lettres où aboutissent les trois flèches du tableau. Ecco, qui aggiunto al testo che aveva dato per la traduzione, diciamo da subito che queste tre lettere sono le tre lettere dove sfociano, dove arrivano le tre frecce della tabella. Alors, le discours du maître, ou la colonne de gauche du tableau de la jouissance. Donc, vous avez le tableau devant vous. Première colonne, partie gauche du schéma, deuxième ligne, pour tout x, phi de x. Pour tout x, phi de x, x, c'est n'importe quoi. Pour faire simple, disons que c'est tous les humains. Pour tout x, phi de x correspond au phi dans le bas de la colonne de gauche. Phi, c'est le signifiant qui n'a pas de signifié, et c'est aussi n'importe quoi, bêtise donc.
le phi et les x ne seront déterminés que pour tout ce qui est déterminé par cet universel, pour tout, c'est tout, y compris les particulières. C'est la logique classique du carré d'Apuley. Pour tout x phi de x, c'est l'universel affirmatif A, ça ne veut rien dire que ça. Il faut tout traiter par cette logique. C'est une position éminemment clinique, mais pas recommandable. Mais on peut pratiquer la clinique ainsi. Nous dirions, alors nous devons avoir nos cases universelles de pensée bien formées, grand A, desquelles dépendent les existences particulières, I, grand I, qui rentrent dans les cases. Traiter les patients au cas par cas rentre encore dans cette pratique. Tous les cas particuliers sont subalternes par rapport à A. Bien sûr, en face de grand A, pour tout x phi de x, l'universel affirmatif, il y a grand T, l'universel négatif. On devrait l'écrire pour tout x non phi de x, qui voudra dire il n'y a rien qui fonctionne selon le carré d'Apuley. Mais c'est une proposition absurde, puisque ce pour tout x non phi de x est dans le même fonctionnement que pour tout x phi de x, avec ces propositions particulières subalternes grand O. Pour fixer les choses, mettons en scène le professeur Freud. Il a sa petite conception du monde derrière la tête, le sujet barré qui se tient. Il est le sujet barré qui se tient en dehors de sa thèse, et il énonce sa thèse, son signifiant en maître, S1, tout rêve est un accomplissement de souhait. Il demande ensuite à ses patientes de venir se ranger en esclave et d'illustrer sa thèse par autant d'exemples de rêves particuliers qui produiront l'objet de satisfaction pour Freud et si possible pour les rêveuses. Et ce discours magistral peut tourner indéfiniment sur lui-même si l'objet est vraiment satisfaisant, autrement dit, si ça marche, disons, la psychanalyse freudienne. Je suis resté jusqu'ici dans le discours magistral et j'ai interprété toute la partie gauche, dite masculine, du tableau. Pour tout x phi de x, c'est phi, c'est le fonctionnement phallique du discours magistral, partant de la case universelle phallique S1 pour y inscrire les cas particuliers S2 et les faire produire l'objet satisfaisant petit a. Il existe un x non phi de x, c'est la vérité de ce discours magistral, c'est le sujet barré, c'est Maître Freud qui se barre derrière sa propre thèse. Un autre maître, bien sûr, peut faire son entrée pour présenter une autre formulation de la thèse. Si c'est un maître, ça se présente toujours sous la forme de pour tout x, phi de x, même si le support imaginaire de phi a changé. Par exemple, tout est signifiant, ou tout est manque, ou tout est dirigé par le capital, etc. Alors, j'en viens à la sortie du discours magistral par le discours hystérique. L'hystérie fait son entrée tout autrement, c'est-à-dire en réponse, en interpellant le signifiant maître, le S1 du discours magistral. Mais pourquoi? Parce qu'elle a repéré l'insatisfaction fondamentale de l'objet A produit par le discours magistral. Ce n'est pas une satisfaction, c'est l'impossible de la satisfaction. Le supposé bon saint n'est en fait que mauvais. En prenant cet impossible, ce n'est pas ça pour sa vérité, l'hystérie, qui n'est plus la patiente esclave de Freud, mais la contestatrice
mais la thèse de Freud S1 à rude épreuve en l'assortissant d'un rêve. Par exemple, donc, le rêve de la spirituelle bouchère qui consistait à rêver qu'elle ne peut pas accomplir son souhait de donner un dîner. Dans l'optique du discours du maître, c'est un rêve particulier qui contredit clairement la thèse de tous les rêves sont des accomplissements de souhaits. C'est une proposition E, grand E, en quelque sorte l'hystérique balaie le signifiant du maître pour le remplacer par un savoir qui le contredit. Comment comprendre le discours de l'hystérique ? Comme la contestation particulière d'un maître, le produit du discours apparaît alors comme un « hola, pas tout, voire pas du tout ». Ossia, niente affatto, in modo assoluto, non tutto. Et pas tout x phi de x équivaut alors à une particulière. C'est la signification ordinaire du pas tout égale à il existe une exception, il existe un x non phi de x. L'hystérique présente ou se présente automatiquement alors comme un nouveau maître contestable dans une discussion hystérique sans fin. Et le cadre du carré d'Apulée reste intact. Nous pouvons lire cette compréhension dans les deux formules de droite dites féminines. Elles disent non aux deux formules de gauche, mais elles restent dans la même logique de discours magistral contesté par le discours hystérique. Et le discours hystérique tourne en rond dans son mouvement de contestation infini. Mais le discours hystérique fait quelque chose de bien plus détonnant, où le S1 vaut donc comme le signifiant maître du discours magistral, universel, grand A, la thèse de Freud, et où le S2 n'est pas un savoir qui viendrait se substituer au savoir supposé dans S1. Le S2 est le mélange de la particulière négative, le rêve de la bouchère, avec l'universel affirmatif, grand A, la thèse de Freud. Mélange détonnant par la contradiction qu'il contient, c'est l'explosion de la thèse de Freud et de l'embryon de thèse de la bouchère. Et il ne reste plus qu'un zéro de savoir. S de grand A barré. Ça, c'est vraiment une impossibilité. C'est la lettre produite par le discours hystérique S de grand A barré. Cette production ne rentre pas dans le fonctionnement du carré d'Apulée où tout dépend de l'universel. Et elle est inscrite dans le tableau avec la flèche qui part du la barré, suspension primordiale de la logique de l'universel, et qui va vers S de grand A barré. Du point de vue pratico-clinique, disons les points suivants. Premièrement, le discours magistral se présente d'abord sous la forme du sujet supposé savoir comme maître avec ses cases universelles. L'analysant ne devrait jamais vérifier les cases de la théorie en y coinçant celui qui ne serait alors que le patient. Oui, c'est l'analyste qui ne devrait jamais, l'analyste et l'analysant, qui ne devrait jamais vérifier les cases de la théorie. Lui précise, qui è l'analista che non dovrebbe costringere il paziente in una casella predeterminata. Donc, c'est le passage nécessaire au discours hystérique. Deuxièmement, première conception du discours de l'hystérique, un savoir chasse l'autre. Et c'est la seule solution si l'on veut éviter la contradiction. Autrement dit, l'impossible produit par le discours hystérique. Et alors, le discours hystérique
tourne sur lui-même. On parle alors de l'hystérique de service au service de faire tourner le discours hystérique, le discours du maître. Deuxième figure du discours de l'hystérique, la production d'un véritable impossible, la contradiction qui assure qu'on est bien dans le ne pas penser et ne pas être à la place de la jouissance. Cet impossible est foncièrement instable et est vite résorbé dans la logique classique universelle dans le pour tout x phi de x, comme l'indique la flèche qui va du la barré au phi, et c'est la jouissance phallique qui prend le dessus, et avec elle, c'est le retour au discours magistral. Impossible donc de rester dans cette deuxième figure du discours hystérique, impasse. La sortie de cette impasse, c'est l'enjeu de encore. Donc l'entrée dans le discours psychanalytique. Comment tenir le S barré pour vrai alors qu'il est degré zéro de savoir? C'est seulement tout autre chose qu'un savoir qui doit être mis en jeu. Donc, pas un savoir-faire qui est encore sous le primat du savoir, savoir y faire, mais un faire tout pur, une praxis qui ne se fonde que sur elle-même. C'est l'acte moral qui crée sa propre loi, loi kantienne, loi sabienne, de toute façon, loi qui suppose la destruction de toute autre loi préalable. Mais où trouver alors le fondement de ce faire hors savoir? Questo fare fuori sapere. Ce n'est pas le sujet qui reste toujours pris dans son narcissisme, y compris quand l'âme âme l'âme. C'est l'inconscient avec son statut éthique qu'il s'agit de refonder. C'est l'impératif catégorique dont Kant donne une première esquisse dans sa critique de la raison pratique. Mais c'est surtout le faire de l'inconscient qui s'impose catégoriquement et qu'il s'agit de soutenir dans le discours psychanalytique sur le fond de vérité du degré zéro de savoir. Inventif, créatif, il ne peut l'être qu'à partir d'un rien radical, à partir de l'objet A dans sa forme vocale. Pour sortir du discours de l'hystérique, il faut sauter d'emblée dans le discours psychanalytique, avec hâte, hâte que Lacan écrit A indice T, A indice du temps. Dans le discours psychanalytique, ce n'est pas le rien radical qui fait quoi que ce soit. Il n'est que semblant d'agent. Mais déjà aussi, d'emblée, S' en blanc, semblant d'emblée, se précipitant pour laisser faire ce qu'on ne peut appeler autrement que l'inconscient, et le temps jaillit de cet inconscient dynamique. Qui saute dans le discours psychanalytique? Ce n'est pas d'abord le dit psychanalyste. Autrement dit, l'objet A comme semblant du discours psychanalytique, ce n'est pas avant tout le dit psychanalyste, mais bien plutôt l'analysant. C'est ce qui le fait proprement analysant de sauter du S de grand A barré dans la dynamique de son inconscient initié en cet objet A vocal. Mais le plus souvent, il ne pourra le faire que si le dit analyste sait ignorer ce qu'il sait, sait soutenir le vrai, je n'en veux rien savoir,
et donc lui aussi être tout prêt à sauter pour que ce saut de S de grand A barré en objet petit a soit possible. Il faut bien entendu que les deux rives soient bien séparées. Autrement dit, que S de grand A barré et que l'objet A soient bien distincts, le premier du côté du savoir, le deuxième du côté du faire. Là où l'on pense tout régler par un savoir-faire prévisible, il n'y a pas de saut possible. Et l'on retombe dans la technique qui dépend toujours d'un discours magistral. L'objet A n'est nullement prélevé du degré zéro du savoir produit par l'hystérie. Il vient de la question du je, du sujet barré. C'est la flèche qui part du sujet barré pour aller vers l'objet A. Il part de l'âme et de l'amour, amour de transfert, où les deux âmes s'aiment pour leur vide radical, c'est-à-dire pour leur potentiel de création. Voilà donc le discours psychanalytique. Il correspond largement à la partie inférieure du tableau de la jouissance, sauf qu'il y a une inversion gauche-droite. De plus, le point de départ du la barré n'est pas donné dans la formule de discours. Ce point de départ, c'est la position de l'hystérie. Dans l'écriture du discours psychanalytique, la partie gauche est la partie dite féminine et la partie droite est la partie masculine. La première ligne est celle du transfert, du fantasme et de l'amour, et il semble y avoir un rapport sexuel. La deuxième ligne est celle de la jouissance et il n'y a pas de rapport sexuel. Il faut dire maintenant comment fonctionne le discours psychanalytique en partant de la jouissance et tout d'abord en partant de phi, conçu non pas comme un produit donné, un signifiant pointé, mais comme un ne pas penser et ne pas être, comme un signifiant sans signifier qui permet précisément de parler de jouissance phallique. Donc, le fonctionnement du discours psychanalytique, notamment dans la leçon 9. Nous sommes donc plongés dans le discours psychanalytique par la grâce du S de grand A barré, produit par le discours hystérique et avec la force d'invention initiée depuis l'objet A. Le discours psychanalytique, donc il s'agit bien du discours psychanalytique, fabrique du S1 de la bêtise du phallique. Comment travailler à partir de ce phi qui vaut comme la réalité du discours analytique? L'impossible produit par le discours analytique, c'est que le phi, symbole de jouissance masculine, est barré de ce grand A barré, symbole de jouissance féminine. Il n'y a pas de rapport sexuel entre le S1 et le S2 du discours psychanalytique. Et c'est de cela que le discours psychanalytique doit s'occuper. En tournant d'un quart de tour, ce serait le discours universel qui prendrait la relève. Ce n'est pas le propos du séminaire encore. Le séminaire soutient, au contraire, le discours psychanalytique pour refonder l'inconscient. S'il n'y a pas de rapport entre phi et S de grand A barré, l'imaginaire peut l'inventer sous la forme d'un habillement de la bêtise de phi. Le phi, signifiant sans signifier, trouve ainsi une consistance imaginaire, un S1 avec un signifié,
Et c'est ce qui se joue dans la clinique. Les associations libres, les bêtises ou le fi trouvent tout de suite un signifié imaginaire. Et c'est seulement à partir de ce S1 quelconque, en ce sens que n'importe quel signe signifiant avec signifié peut donner un habillement imaginaire à ce phallus. Toute l'opération de l'analyse se résume donc en deux processus. Primo, à partir de ce S1 quelconque, passé par S2A barré, le S2, l'autre signifiant, sans lequel aucun S1 ne pourrait représenter le sujet, comme on l'a dit, l'analyste doit laisser se jouer ce processus. Deuxième processus, secondo, à partir de cette force symbolique dégagée du côté du sujet, la mise en place de l'objet A comme vocal devient possible, et avec elle, l'invention de l'inconscient dans le réel. Les trois côtés du triangle que vous avez au tableau et que vous avez dans le séminaire de la leçon 9 sont les trois lettres du discours psychanalytique et elles sont vues comme processus allant d'un angle à l'autre du triangle. Et les angles du triangle sont dans l'ordre R, I, S, réel, imaginaire, symbolique. Le séminaire 21 inversera l'ordre R, S, I, mais c'est une autre question. Il reste encore la jouissance, en plus de ce triangle, qui s'insinue dans le triangle à partir du réel. Elle n'est ni la jouissance phallique, ni la jouissance de l'autre, ni non plus la jouissance de l'objet A, jouissance peut-être, elle n'est rien de tout ça. Le tableau de la jouissance a tenté de cerner la jouissance, oui, elle s'insinue dans le triangle comme un pseudopode venu d'on ne sait où, ou comme un bras happé par la machine du triangle, mais elle échappe complètement au triangle. Pour l'approcher, pas d'autre méthode que de recouvrir la jouissance et de la cacher par le triangle. C'est la question du recouvrement de la faille par un certain nombre de jouissances ouvertes. La compacité évoquée à la fin de la leçon 1. La jouissance fondamentale est recouverte par un jeu de jouissances qui ne sont pas ça. Je te demande, fille, de refuser, est-ce le grand tabaret, ce que je t'offre, l'objet A. L'enjeu de encore était de saisir l'inconscient qui consiste en ce que l'être en parlant jouisse. La jouissance échappe à notre saisie. L'oiseau s'est envolé. Je vous remercie de votre attention. Allora, siamo noi ovviamente a ringraziare Christian Firenze per questo, insomma, per questo attraversamento del seminario Ancor a partire dalla logica dei discorsi, ma non solo di Ancor, cioè dell'insegnamento di Lacan. E quindi darei subito la parola a Janja Jerkov per la discussione. Merci, Cristi. Come facciamo? Io parlo in francese. Se tu hai come tu preferisci. Allora, o io o Lila ti traduciamo. Come tu ti senti più a tuo agio? Forse parlo in francese per essere direttamente. Okay. Allora, merci Christian pour ton intervention puissante, vraiment puissante. E chi ancora... Allora, grazie Christian per questo tuo intervento davvero potente. E chi
je tiens à le souligner, qui se caractérise par une lecture vraiment, comment dire, modeste et rigoureuse du texte de Lacan. Allora, una lettura caratterizzata, diciamo, da una lettura modesta e, scusa Jans, il secondo aggettivo? Rigorosa. E rigorosa del testo di Lacan. Quand je parlo de modestie, c'est parce que tu nous enseignes à nous mettre devant le texte sans aucun... prétention de savoir et de compréhension. Allora, con modestia intendo dire che tu ci insegni a porci dinanzi a un testo senza alcuna pretesa né di sapere né di comprensione. Il testo di Lacan, evidentemente. Tu nous conduis des fondamentaux jusqu'à au sommet de l'articulation du discours sur de toute articulation du discours sur la jouissance. Quindi tu ci porti in qualche modo ai vertici, al sommet, giusto Jans, ai vertici sì. Di ogni discorso sul di ogni articolazione sul godimento. A partire però dai fondamentali, dalla base, eh? Cioè, tu ci porti dalla base sino ai vertici, diciamo così, dell'articolazione del godimento. Dans le sens que tu poses la question de qu'est-ce que c'est l'inconscient, qu'est-ce que c'est la linguistique pour un analyste. Quindi tu parti dalla domanda che cos'è l'inconscio, che cos'è la linguistica per un analista, eccetera. Alors, je partirai de la fin quand même de ton exposé. Partirai dalla fine della tua esposizione. Parce que en reproduisant aussi l'image, le dessin de Lacan sur le pseudopode de la jouissance. Allora, riproducendo appunto il disegno di Lacan sul pseudopodo del godimento. Bon. Je te demande encore une fois qu'est-ce que c'est cette jouissance? Parce que allora ti chiedo ancora una volta che cos'è questo godimento? Parce que on a vu que ce n'est pas que la jouissance phallique, que ce n'est pas la jouissance de S de A barré, ce n'est pas la jouissance de l'objet. Alors, perché abbiamo visto ancora una volta che non è il godimento fallico, non è solo il godimento fallico, non è il godimento di S di grande A barrato, né il godimento dell'oggetto. Alors, qu'est-ce que c'est? E allora che cos'è questo godimento? Che l'être en parlant jouisse, ma... il me semble que c'est plus que ça. Allora, è come dice Lacan che l'essere parlando gode, ma mi sembra addirittura che sia più di questo. Je peux répondre? Oui, oui, oui. Oui, merci pour cette question et ce que tu dis très, très clairement, et notamment à propos de cette modestie. Allora, io ti ringrazio per quello che dici, in particolare a proposito di questa modestia. Qui est nécessaire au travail de l'analyse. Che è necessaria al lavoro dell'analisi. Donc, ce n'est pas une modestie de retrait par rapport à... Je ne sais quelle grandeur. Non è la modestia di di un ritirarsi al cospetto di chissà quale grandezza. C'est la modestie pour aborder justement
la question che tu poses, qu'est-ce que c'est que la jouissance? Ma è una modestia necessaria per approcciare la questione che hai posto, cioè che cos'è questo godimento? Tant que l'on caractérise la jouissance comme la jouissance phallique, la jouissance de l'or et la jouissance de l'objet A, je pourrais dire la jouissance, nous sommes perdus. Allora, diciamo che non ho capito la prima frase, la prima parola, Jance. Nella misura in cui, nella misura in cui. Nella misura in cui noi ci sentiamo, allora in altre parole, noi ci sentiamo persi se non pensiamo il godimento in queste forme note, godimento, godimento fallico, godimento altro e godimento d'oggetto che qua però lui ci ripropone come godisenso, diciamo così. Parce que là nous pensons chaque fois que nous avons le cœur et que nous nous l'avons en main d'une façon ou d'une autre, le cœur de la jouissance, que ce soit grand phi, que ce soit S de grand tabaret ou que ce soit petit a. Ok, perché il cuore del godimento noi lo pensiamo sempre o come il fallo, il phi maiuscolo, o come S di grande A barrato, o come A oggetto A. Parce que ces lettres n'existent que dans le mouvement de les produire, c'est-à-dire qu'avec la flèche qui conduit vers ces lettres dans le schéma de la jouissance, disons. Allora, perché queste lettere esistono soltanto nel movimento che le produce, quindi grazie a, diciamo, i vettori che fanno sì che queste lettere, che conducono in direzione di queste lettere, quindi in questo movimento. Maintenant, le départ de ces flèches, nous ne pouvons pas le maîtriser non plus, encore moins. E diciamo, il punto di partenza di questi vettori, noi possiamo padroneggiarlo ancor meno. Ecco, sì. Possiamo padroneggiarlo ancor meno. Et donc, qu'est-ce que c'est que la jouissance? Elle n'est pas possible, elle n'est pas pensable autrement, bien sûr qu'avec ces lettres, mais avec ces lettres en tant qu'elles sont dans un mouvement de les produire. Allora, è vero che noi questo godimento non possiamo pensarlo altrimenti che con queste lettere, ma diciamo nel movimento che le produce, cioè questo godimento possiamo pensarlo solo attraverso il movimento che produce queste lettere. Et donc on comprend que, me semble-t-il, la phrase de Lacan, que l'inconscient consiste en ce que, en parlant, s'ajouisse. Allora, capiamo questa frase di Lacan, secondo cui il godimento consiste nel fatto che parlando gode. Parce que bien sûr il faut partir de la parole, c'est-à-dire du discours. Perché bisogna partire dalla parola, quindi dal discorso. Donc à partir du S de grand A barré et à partir de l'impossibilité de réduire le discours à ce carré d'Apulée, donc le la barré. Et que. Quindi, oui. Prego, prego. Allez, allez. Oui, et que donc c'est à partir de là seulement qu'on peut se mettre dans ce mouvement de parole. È soltanto quindi a partire da qui che ci si può mettere in un movimento di parola. Et donc qu'on est obligé de dire que en fait ce que ça produit, même les lettres que ça produit, ce n'est pas ça, la jouissance nous a déjà échappé. Jance, mi dai una mano, non ho capito. Quindi se teniamo conto del movimento di queste lettere, capiamo anche che il godimento non è questo perché è già scappato via. Ce qui revient à la position de modestie de l'analyste, qui est toujours dans cette... il ne maîtrise absolument pas la jouissance, et surtout pas, il ne la...
il ne la sanctifie pas au moment où elle aboutit à une jouissance phallique, à une jouissance de l'autre ou à une jouissance de l'objet. Allora, è proprio questo fatto che il godimento scappi di continuo via, ecco che questo fa luce su questa necessaria modestia dell'analista che non ha alcuna possibilità di padroneggiare questo godimento, anche se di volta in volta può approdare a un godimento fallico, a un godimento altro, eccetera. E donc on pourrait dire que la jouissance, alors, elle est essentiellement, avec ce triangle, elle est essentiellement abordée par la trinité des trois angles, autrement dit par le nœud borroméen. Allora, il godimento è abordato, diciamo, dai vertici del triangolo, vale à dire quindi dal nodo borromeo. Et donc la jouissance, elle est abordée, mais elle est déjà recouverte et cachée par le nœud borroméen, par la question du nœud borroméen. Abordata, rinnovata e nascosta dal nodo borromeo. Et il me semble que ça se lit très exactement dans le discours psychanalytique. Et que sia esattamente nel discorso psicanalitico. Où il ne s'agit ni de promouvoir simplement este grand tabaret, in cui non si tratta semplicemente di promuovere essere di grande abbarrato, ni de promouvoir l'objet petit a, né tantomeno l'oggetto piccolo a, ni le significant pur qui n'a pas de signifié, né il significante puro privo di significato, mais de faire les trois à la fois. Ma i tre insieme. Et naturellement, c'est impossible, donc le nœud borroméen ne peut pas se... On se heurte toujours à une impossibilité de penser le nœud borroméen, d'où tous les développements des défauts, des ratages des nœuds borroméens que nous rencontrons nécessairement dans la pratique. Quindi questo spiega anche tutti i difetti, diciamo i fallimenti del maneggiamento di questo nodo borromeo con cui abbiamo a che fare poi nella pratica. Il me semble qu'avec ça, j'ai d'une certaine façon seulement cerné la question de la jouissance, pour autant qu'on peut dire cerné, la question de la jouissance. Tout en tenant compte qu'elle est toujours incernable et qu'elle s'est toujours ratée. Diciamo, io sto cercando in qualche modo di circoscrivere questa questione del godimento che di suo invece non si lascia circoscrivere, non si lascia afferrare, no? Quindi. Mais on pourrait penser alors que le psychanalyste doit soutenir un triple travail dans l'analyse et un triple travail qui n'est pas en continuité. Allora, possiamo pensare che l'analista debba sostenere un triplo lavoro, che non è in continuità. I vari lavori non sono in continuità. Mm-hmm. Comme je disais par ailleurs, comme le pianiste qui joue deux mélodies différentes de ses deux mains. Come un pianista che deve nello stesso tempo, diciamo, eseguire due diverse melodie con le sue mani. C'est si près qu'ici le psychanalyste devrait avoir trois mains. Mais enfin, bon. Allora, potremmo dire che uno psicanalista dovrebbe avere nello stesso tempo tre mani. Mais pardon, poursuivre le travail des trois jouissances. Et oui, c'est ça, mais qui sont que... Moi, je ne dirais pas que c'est trois jouissances, je dirais que c'est trois lettres de jouissance. Okay. Allora, queste tre mani, diciamo, per eseguire i lavori non di tre godimenti, ma delle tre lettere. Et donc, d'une part, soutenir le est grand tabaret,
Da un lato sostenere S di grande A barrato. Ce qui laisserait supposer à tort que le psychanalyste n'aurait qu'à se taire. Che le psychanalyste non dovrebbe che stare zitto. Qu'à se taire, il se tairait tout le temps. Il y a des psychanalystes qui font ça. Allora, se seguire S di A barrato significherebbe in qualche modo tacersi. E ci sono effettivamente degli psicanalisti che non parlano mai, restano sempre in silenzio. Lui dice è una posizione a torto, presa a torto, cioè un modo certo. Di... È come se fosse un'interpretazione sbagliata di questo. Ma deuxièmement, soutenir le petit A come un faire, une activité, une création. Et ça, je pense que ça ne va pas du tout avec un silence de l'analyse complète, en tout cas. Allora, oppure sostenere, diciamo, questo oggetto A in una forma creativa, inventiva, il che non va veramente di pari passo con un silenzio. Donc, c'est une position vraiment active et qui pousse. Qui permet que l'inconscient pousse et qu'on pousse pour ce que l'inconscient pousse et invente. Allora, è una posizione questa invece molto attiva, fatta per, diciamo, spingere, fare in modo che l'inconscio sia molto inventivo e creativo. Et puis la troisième, quand même de pouvoir se permettre de dire des bêtises, y compris de l'analyste. E poi la terza, che consisterebbe nel permettersi anche da parte dell'analista di dire delle bêtises, delle stupidaggini. Donc le fi, le significant n'importe quoi, mais qui est tout autre chose. E quindi è fi, il gran fi, il significante che significa non c'è qualunque cosa. Mais qui est tout autre chose, bien sûr, que l'analyste qui penserait qu'il doit trouver un signifiant, un signorelli qui veut dire beaucoup de choses et qu'on peut vraiment... C'est une riche interprétation. Et diciamo che questo non c'entra niente con la ricerca di un significante tipo signorelli che dica chissà che cosa. Cioè, è il significante stupido in questo caso. Oui. Tu as beaucoup insisté sur la question de ne pas penser, ne pas être. Hein? Oui. Allora, hai molto insistito sulla questione del non pensare, non essere. Alors, évidemment, il me semble qu'ici, il s'agisse d'un non-être capable de produire quelque chose de nouveau. Donc, allora, però mi sembra che qui si tratti di un non essere capace di produrre qualcosa di nuovo. C'est-à-dire, ce n'est pas une véritable négation de l'être, c'est tout simplement l'ouverture à quelque chose d'inouï, d'inconnu. Allora, che non si tratti qua tanto di una negazione dell'essere quanto di un'apertura a qualcosa di inaudito, di inaudito, non saputo. Si. La question quand même que je me pose, parce que quand tu dis de façon très claire, limpide, la question de la jouissance, nous pouvons l'aborder par des lettres, parce qu'autrement, elle s'enfuit. Quand même, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas l'aborder que par ne pas penser, ne pas être. Attention, Yanchi, je n'arrive pas à tenir tout ce discours. Allora, puoi ricominciare, per favore? Cioè... Dicevo che la questione del godimento che di fatto viene... affrontata dal lato del non pensare, non essere, perché noi è così che possiamo affacciarci sulla questione del godimento. Allora, cette question de ne pas penser, ne pas être, quand même, comment dire, réintroduit, il me semble, la question de l'être. Parce que, allora, questa questione del non pensare, non essere, reintroduce al tempo stesso la questione dell'essere.
Parce que c'est ne pas être par rapport à quoi? Et la jouissance que nous ne pouvons pas cerner. Alors, c'est quoi cette jouissance? Questo non essere rispetto a cosa? Seconda parte della frase? Questo godimento che noi non riusciamo a inquadrare, ad acchiappare, allora di nuovo, che cos'è se non presuppone la questione dell'essere? Ma che cos'è questo essere? Oui, je pense que la question, si je peux me permettre, ce n'est pas une entourloupe, mais si je peux me permettre, la question est précisément la réponse. C'est-à-dire que c'est le non-être et le non-pensé, ce n'est naturellement pas le non-pensé de la pierre et le non-être d'une fantaisie quelconque. Allora, un attimo, pardon. Allora, diciamo, nella tua domanda in fondo è già la risposta, perché qua il non essere, il non pensare, il non essere non è semplicemente il non essere della pietra, ma... Il non pensare della pietra e il non essere così. Uh-huh. Mm. Mais c'est la mise en question radicale de penser et de être. Mm. Ma è una messa in questione radicale di pensare e essere. Et dans le sens où Lacan justement critique, enfin non, il reprend les deux substances cartésiennes. Nel senso in cui Lacan riprende le due sostanze di Cartesio. On pourrait dire la substance pensante et la substance de l'être, je dirais, mais enfin, donc on pourrait voir... La sostanza pensante e la sostanza dell'essere. Oui, on peut discuter pour Descartes, mais ce n'est pas le propos. Mais donc, il y a deux choses qui nous semblent substantielles, penser et être. Queste due cose che ci sembrano sostanziali, cioè l'essere e il pensare. Et c'est seulement en abandonnant l'une et l'autre de ces substances que, solo abbandonando l'une e l'altra di queste due sostanze, que l'on a une chance de voir un nouveau sens aussi bien pour penser que pour être. È solo a questa condizione che noi possiamo arrivare a qualcosa di nuovo sia per l'essere che per il pensare. Et donc, quand tu fais remarquer que ce n'est pas une négation totale d'être, ni une négation totale de pensée, c'est tout à fait ça. C'est une... Donc, ce n'est pas du tout supposé qu'il faudrait se mettre dans une position tout à fait débile. C'est au contraire un mouvement de retrait pour l'invention. Pour le surgissement de la pensée et le surgissement de l'être. Allora, quindi, in effetti, quindi dice che la domanda, così come l'aveva posta Janče, conteneva già la sua risposta, perché qui non si tratta di, come dire, negare l'essere e il pensiero, ma di permettere un'invenzione, qualcosa di nuovo. Janče diceva di aprire per una... qualcosa di inaudito, ecco, lui sta dicendo questo, quindi poter inventare la dimensione dell'essere e del pensare in modo nuovo. Et je ne voudrais pas continuer parce que je voudrais donner la parole aussi à la salle, mais en conclusion, disons, de ce premier tour de questions. Alors, je voudrais te demander, parce que tu le dis, mais Lacan l'a dessiné, qu'on pourrait reconstruire une triade RIS et après elle devient RSI. Mais je te demande si à partir de ces considérations sur la jouissance, la vraie jouissance entre guillemets, il ne faudrait pas plutôt faire retour au 1953, à SIR. Puisque au fond. Allora,
Allora, Jan ci ha ricordato che questa terna, reale, simbolico, immaginario, è stata allineata in modi diversi. Allora, a partire dal discorso da Lacan, è stata allineata in modi diversi nell'arco degli anni, e a partire dal discorso sviluppato stamattina su quello che sarebbe, diciamo, il vero godimento, se non sarebbe per caso, insomma, se non dobbiamo tornare alla terna R-I-S... No. Reale, immaginario, simbolico? S-I-R, è l'articolo del 53. Simbolico, immaginario, reale. Simbolizzare l'immaginario del reale. Parce que, come? Au fond, symboliser l'imaginaire du réel. Parce que, au fond, on aboutit à quoi? À quelque chose que on ne peut pas penser, ni dire, ni rien. Allora, dovremmo ritornare a quest'idea di simbolizzare l'immaginario dal reale, perché in fondo noi arriviamo a che cosa? Qualcosa che non possiamo né dire né pensare. Quindi, non possiamo afferrare in nessun modo. Cioè, questo godimento, come se ne è parlato stamattina, è qualcosa che resta inafferrabile. Oui. Oui. Tout d'abord, cette question. De S-I-R et de R-S-I, on peut dire que S-I-R et R-S-I sont équivalents pour autant que ça se répète. Donc, et qu'on... Alors, attention, il faut traduire. Alors, lui dice che però questi due allineamenti, reale, immaginario, simbolico, simbolico, immaginario, reale, sono equivalenti perché si ripetono. Mais la question n'en est pas moins tout à fait importante, parce que Freud pensait très clairement R-I-S. Donc, però il y a... anche Freud a pensato in modo molto chiaro reale, immaginario, simbolico. Ou autrement dit, un trauma réel entraîne des fantasmes imaginaires, et puis on peut en parler en un troisième temps. Perché in fondo cosa diceva Freud? Che un trauma molto reale produce dei fantasmi immaginari di cui poi si può parlare a lungo, quindi reale, immaginario, simbolico. Et on a encore tendance de penser comme ça. E ancora noi abbiamo questa tendenza a pensare le cose così. Et ce que Lacan introduit, bien sûr, c'est de dire l'inconscient en parlant jouit. C'est donc le symbolique. Ce n'est pas le réel qui peut être premier, mais c'est le symbolique. Ma invece Lacan che fa dice che l'inconscio parlando gode, quindi lui come se ponesse un primato del simbolico sul reale. Et donc, la formule S-I-R, effectivement. Et quindi questa formula simbolico, immaginario, reale, effettivamente sembra illustrare meglio questo l'inconscio è che parlando gode. Mais c'est sûr qu'on déborde largement le séminaire encore, mais enfin que c'est vraiment le cadre du séminaire encore. In ogni caso, insomma, è quel che avviene nel seminario. Nel seminario encore, anche se va al di là delle questioni poste da encore. Forse possiamo chiedere una questione in question, cioè a proposito di questa cosa che diceva Yanya Yerkov, riprendendo evidentemente tutta la conferenza, cioè che il godimento è qualcosa che sfugge continuamente, eppure nel quadro di un'analisi è tangibile, nel sintomo, nei corpi, pensiamo anche alle dipendenze, cioè il godimento allora ha uno statuto un po' paradossale, cioè sfugge da tutte le parti, ma è lì continuamente. Alors, je posais une question peut-être un peu bête, mais c'est-à-dire que cette jouissance insaisissable
ou dire, ou penser, etc. Mais dans le cadre d'une analyse, elle est quand même là, dans les symptômes. Je pense aussi à toutes les formes de dépendance. C'est quelque chose de très, vraiment tangible. Oui. Dans une analyse, alors, insaisissable, mais aussi très, très présent. Ouais. C'est un peu... Oui, oui, je suis tout à fait... Je trouve que c'est une remarque, une question très intéressante d'ailleurs, mais de voir que c'est saisissable et que c'est tangible dans l'analyse indique d'une part, me semble-t-il très clairement, qu'il ne faut pas céder sur cette question et donc sûrement pas de présenter l'analyse comme une suppression ou une coupure de la jouissance. Allora, au contraire, oui. Dice effectivement, c'est vrai parce que c'est tangible, mais proprio parce que c'est tangible, non bisogna cedere, cioè non bisogna pensare che l'analisi sia un'operazione di taglio sul godimento, coupure de la jouissance, bien entendu. Oui. Oui, oui. D'accord, merci. Mais au contraire, de promouvoir quelque chose qui nous échappe et que nous ne pouvons naturellement pas préciser à quiconque. Donc, ça reste okay. Quelque chose qui nous échappe. Lui dice che non si tratta tanto di tagliarlo questo godimento quanto di rilanciare quel che ce ne sfugge, che c'est une autre façon de traiter la jouissance, oui. C'est-à-dire de relancer ce qui nous échappe. C'est ça, c'est pour cela que je pense que ce que j'ai introduit comme le principe de jouissance s'impose parce que ce n'est qu'un principe qui nous échappe, donc même si c'est très concret. Donc c'est quelque... Alors, lui dice che quello che lui ha introdotto come il principio del godimento, anche se il godimento è così concreto, noi dobbiamo rilanciare ciò che ce ne sfugge e che questo è un altro modo di trattare la questione del godimento. Anziché pensare l'analisi come un luogo in cui tagliamo il godimento. Mais c'est une façon de le trouver aussi, de le mobiliser d'une façon différente. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Allora, chiedevo se questo modo di trattare il godimento ha come mira quello di bucare o comunque di muoverlo in modo diverso. Ça peut être aussi très intéressant dans les cliniques où la jouissance est particulièrement, comme je pourrais dire, figée. Oui. La clinique des dépendances, etc., par exemple. Exactement, oui. Allora, dicevo, se questo metodo, chiamiamolo così, può essere efficace in quelle cliniche in cui il godimento appare particolarmente cristallizzato e fisso, per esempio nella clinica delle dipendenze. E lui dice sì. Par exemple, sur cette clinique-là, il ne s'agirait pas de dire au patient, il faut bien l'appeler patient quand même à un certain moment, il faudrait que vous arrêtiez vos addictions. Ce n'est pas ça le propos. Il faudrait que vous donniez beaucoup plus d'importance à la jouissance que vous recherchez. Pas sous la forme que vous recherchez, mais enfin, vous pourriez aller beaucoup plus loin. Questo, per esempio, dice nella clinica di cui io su cui lo stavo interrogando, la clinica delle dipendenze, lì sarebbe interessante non tanto dire a qualcuno basta godere così, non godere in questo modo, ma al contrario dirgli che lui deve dare molta più importanza al godimento che sta cercando, non nel modo in cui lo fa, ma in un altro modo, ma sottolineando l'importanza della sua ricerca. Et naturellement, là, le psychanalyste n'a rien à proposer d'autre pour remplacer ce que la jouissance, l'objet d'addiction, la drogue ou que sais-je, de l'analysant. Il n'y a rien à proposer. Non. Enfin, il n'y a rien de concret à proposer, aucun chemin. Non est...
ma non perché l'analista ha qualcosa di alternativo da proporre. Mais quand vous parlez, de la façon dont vous parlez, c'est comme de comme dire, provoquer une invention dans l'analysant plutôt. Oui. C'est-à-dire. De... C'est ça, exactement. Cioè, lui dice, non è che l'analista propone un altro oggetto, un'altra. Si tratterebbe invece di intanto valorizzare la ricerca del suo godimento, lasciando a lui in qualche modo di inventare nuovi modi di godere. Ilia... Di godere. Cristiana, ci sono Pierre Coerchon e Elisabetta Spinelli che hanno chiesto di fare una domanda. Yonche, sì, allora, è qua aussi? Oui. Oui. Fino ok. A la petite main, ma en tout cas, ça va. Allora, anche allora, nous pouvons commencer avec Cacciali, non. Pierre Coerchon. Non, Pierre Coerchon d'abord, parce que oui. C'est depuis longtemps qu'il a demandé. Pierre Coerchon, allora. Oui, je voulais remercier évidemment Christian Firenze. Volevo ringraziare Christian Firenze pour son intervention qui met bien en. Qui articule bien la question de la structure des discours. Perché è un intervento che articola molto bene la questione della struttura dei discorsi. Avec ce que suggère encore dans le jeu de la répétition. A proposito di quel che ancora ci suggerisce sul gioco della ripetizione. Et. Surtout ce que moi j'ai entendu dans son intervention. Quel che io ho inteso nella sua, nel suo intervento. C'est quelque chose de l'ordre de justement la dimension de l'impasse ou du passage. Cioè vale a dire qualcosa dell'ordine dell'impasse o del passage, cioè del passaggio. Del passaggio. Du tournant rond d'un cul de sac. Sì, questo girare intorno in una sorta di vicolo cieco. Par rapport à l'invention d'une issue. In rapporto all'invenzione di un insaputo. No, di un'uscita, io credo. Non lo so, adesso issue, vediamo. Issue? Une sortie, une sortie okay, d'un débouchement. Ok, d'une uscita. Parce que, effectivement, ce qui a été frappant dans ce que nous a amené Christian, quello che ci colpisce in quel che Christian ci ha qui portato, c'est qu'à produire de la lettre dans une structure logique de discours, è che produrre una lettera in una struttura logica di discorso on se retrouve pris dans un phénomène d'impasse et de tournant rond. Ci si trova in qualche modo catturati in un fenomeno, diciamo, di impasse e di girare in tondo. Où la jouissance est condamnée, si j'ai bien compris, au tout phallique. Laddove in qualche modo il godimento si troverebbe intrappolato in tutto fallico. Du n'importe lequel, n'importe quoi. Quindi non importa dove, non importa quale. D'ailleurs, ce qui me frappe avec le bilinguisme. Allora, ciò che mi colpisce col bilinguismo. C'est. Le rapport du signifiant godimento avec, en français, godimento en italien, jouissance, avec, en français, boniment. Boniment. Le boniment. Allora, quello che mi colpisce soprattutto in questo nostro scambio bilingue, il rapporto fra l'italiano godimento e il francese, boniment. Se ho capito bene, le boniment. Boniment. Boniment che buono e mento, che fa boniment.
è il suono che assomiglia al godimento. Grazie. Grazie, Lila. Prego. À la fois le mensonge et le bien. Quindi la menzogna e il bene insieme. L'impasse du symbolique, finalement. E questa sarebbe proprio l'impasse del simbolico. Et il me semble que la seule sortie de Lacan de ce tournant rond dans lequel Freud est lui-même tombé. E mi sembra che l'unica via d'uscita rispetto a questo girare in tondo in cui anche Lacan è caduto. Anche Freud è caduto. Qu'on voit bien dans ce schéma du triangle dans encore avec le sac de la jouissance au centre. Allora, in questo, diciamo, triangolo col sacco del godimento al centro. Si vede in questo triangolo, sì. C'est que le sac n'est pas troué. Le sac n'a qu'un trou, c'est quand même pas une sphère. Questo sacco non è bucato, non è neppure una sfera. Le sac è una sfera trouée. È una sfera. Questo sacco è una sfera bucata. Mais qui n'a pas de pourrait-on dire avec le jeu de mots français qui n'a pas de cul. Che non ha coda, ho capito bene? No, che non ha un tappo, che non ha un tappo, beh, in francese sarebbe culo, come nella bottiglia, sì. È il tappo, è quello che va sopra, che chiude. Parce que avoir du cul en français, ça veut dire avoir de la chance. En italiano, sì. Et ne pas en avoir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quand même ne pas pouvoir déboucher sur ce fameux trou. Allora, quindi, non averne invece significa in qualche modo sfociare su questo famoso buco. Qui est finalement non poter sfociare sul buco. Non avere culo significa non poter sfociare sul buco. Qui est l'introduction de la question de deux trous topologiquement. E questa è l'introduzione della questione dei due buchi in topologia, diciamo. C'est-à-dire du tor, de la sphère comme tor. Quindi, sphère comme tor. E quindi vale a dire della sfera in quanto toro. E effectivement avec la question de la triangulation. E quindi effettivamente con la questione della triangolazione. Donc on a déjà là les éléments de la sortie des discours. Già qui abbiamo tutti gli elementi dell'uscita dal discorso. Dai discorsi. Du tournant rond des discours. E anche del loro girare in tondo dei discorsi. Par la topologie du nouveau Roméen à trois. Grazie alla topologia del nodo Borromeo a quattro. A tre. Voilà, c'était ma question de faire autre chose de la production de la lettre. Dans la logique des discours. C'était ça que je voulais poser comme question à Christian. Quindi la questione che volevo porre a Christian è proprio questa, insomma, fare altrimenti con la produzione delle lettere. Quindi, merci Pierre Coerchon. Donc, la réponse à Christian Firenze. Merci Pierre. Oui, c'est la question fondamentale, hein, forcément, et notamment dans la question, dans les termes même de que tu as repris, de produire. Allora, è la questione fondamentale e soprattutto nei termini in cui tu l'hai ripresa.
la question précisément de produire la lettre. Et quindi la questione di produrre la lettera. Est-ce que les deux termes sont ambigus? Produire, est-ce que nous entendons le produire comme un produit réaliste? Allora, perché? Perché c'è un'ambiguità in questa parola, perché noi cosa stiamo intendendo? Il prodotto come un prodotto realista oppure? Ou produire la jouissance, enfin laisser ouvrir l'espace de la jouissance avec la discussion qu'on vient d'avoir sur ne pas penser et ne pas être. Allora, oppure aprire lo spazio del godimento nel senso della discussione che abbiamo avuto su non pensare e non essere. È la seule sortie pour une jouissance autre que phallique. C'est ça, c'est la seule jouissance autre. Et ça demande de relire tous les discours autrement. Allora, questa sembrerebbe l'unica uscita per un godimento altro, il che richiederebbe di relire, pardonnez-moi. De relire tous les discours autrement. Questo richiederebbe di rileggere tutti i discorsi in un altro modo, altrimenti. C'est-à-dire débouchant non pas sur un produit au sens ordinaire, mais débouchant sur la question de la jouissance, pas de la jouissance spécifique à un discours, mais de la jouissance au sens fort. Quindi non tanto avendo di mira sfociare su un prodotto, quanto sulla questione del godimento in senso forte. Et alors, bien sûr, c'est ça qui introduit toute la question, comme tu le faisais remarquer, du nœud borroméen. E quindi tutto questo introduce la questione del nodo borromeo, proprio come tu lo hai, insomma, sottolineato. Le triangle, c'est un triskel, quand même, où les côtés s'appuient l'un sur l'autre. Et avec, bien sûr, toute l'impossibilité qui est engagée avec la question des surfaces aussi qui s'introduisent là au milieu, bien sûr. Allora, qua c'è la questione del triskel e anche tutta la questione, insomma, delle superfici che si sovrappongono. Mais le gros piège, me semble-t-il, c'est le terme de lettre. Je pense qu'on a un exemple on a des exemples de lettres, par exemple avec Serge Leclerc dans Porgelli. Allora dice, mi sembra che però la grande trappola sia la questione dell'essere. Ne abbiamo alcuni esempi, per esempio con Leclerc. Donc avec l'exemple qu'il donne, on a repéré les lettres de cet analysant Porgelli. Allora lui ha in qualche modo afferrato le lettere del suo analizzante Porgelli. Dans ce cas-là, il y a rien à faire. On a raté la question de la mise en évidence de la jouissance fondamentale. Tout à fait. Et tu as bien aussi mentionné que ces impasses des discours qui débouchent pas de cette façon-là. Oui. Par exemple, tu as bien mentionné que pour le discours du maître, c'est le discours capitaliste, et pour le discours de l'hystérique, c'est le discours scientifique, par exemple. Allora, un attimo, attendez. Allora, si j'ai bien entendu, parce que vous allez très très vite pour moi, alors loro hanno detto che Pierre Coerchon riprende questa questione dicendo che lui, Christian Firenze, nella sua esposizione ha fatto ben vedere un'evoluzione possibile, per esempio, del discorso del maître sul discorso e nel discorso del capitalista e del discorso esterico nel discorso della scienza. Oui, oui, mais maintenant il faudrait recritiquer la science. Mais c'est bien dans ce sens-là que ça va. Je pense que ce qui est plus clair, c'est le discours analytique qui est compris comme le discours de l'analyste. Allora, io penso che però quello che è più chiaro è il discorso analitico
che è compreso, ricompreso come il discorso dell'analista. Oui. Et le discours, on peut rajouter le discours universitaire qui est le discours du fonctionnariat. Oui. Il discorso invece dell'universitario è il discorso del funzionariato. Mm-hmm. C'est très important cliniquement de repérer ces impasses. È da un punto di vista clinico molto importante reperire queste impasse. Pardonnez-moi, Pierre Coéchon, l'impasse, c'est quoi? Vous pouvez l'expliquer un peu? Une structure, pour moi, c'est une structure de cul-de-sac. Il vicolo cieco. Ok, l'impasse è questa struttura del vicolo cieco dei discorsi. Où on passe pas à autre chose. On passe pas à autre chose. D'où l'importance de la passe pour Lacan. Mm-hmm. Sì, allora, siccome non si passa verso altra cosa, verso altri ecco discorsi, verso altri discorsi, cioè non c'è questo movimento. Mm-hmm. Allora, siccome nel movimento c'è cioè come un irrigidimento, non si passa verso altra cosa, allora questa impasse spiega l'importanza che per Lacan ha dato alla passe. Oui, oui, exactly. Exactement, merci pour toutes ces remarques. La PAS, lo dico per i non addetti ai lavori, è diciamo una struttura che Lacan ha messo su, un dispositivo di fine analisi, ecco, di fine analisi per passare dalla posizione dell'analizzante a quello dell'analista. Cristiana, c'è Jean-Luc che voleva prendere la parola. Ma dopo, allora, Jean-Luc. Oui, mais peut-être après, qui avait demandé aussi la parole? Il y a quelqu'un qui avait... Elisabeth. Oui, allez-y, je prendrai la parole après. Elisabeth, l'audio. Io... C'è? Sì, benissimo. Volevo fare due domande forse un po' semplici. Bisogna studiare bene quello che lui ha detto. Spero che avremo presto la conferenza per poterla rileggere. Allora, ma studiare ciò che Christian Ferenc nous a apporté. J'espère que nous aurons bientôt la conférence écrite pour que nous puissions l'aborder. Una prima domanda molto semplice è che io ho pensato, leggendo ancora, che il fatto che Lacan usi soltanto una volta o due la parola isterica e invece parli della posizione femminile sia appunto una forma di generalizzazione, di non confinare più la questione della femminilità dal lato soltanto dell'isteria, ma di farne appunto una questione generale della femminilità. Allora, quindi andare al di là del discorso isterico. Elisabetta, non ci riesco se non traduco ora. Allora, j'ai pensé en lisant encore, notamment que Lacan n'évoquait que très peu de fois le mot hystérique. Et donc qu'il abordait quelque chose du côté du féminin, mais sans en passer par cette question de l'hystérique. Et donc il en était pour ripetere, insomma, per che appunto che ciò che in parte si diceva sull'isteria invece diventa la questione del femminile, non più semplicemente dell'isterica. Alors que ce qu'il disait sur le côté hystérique devenait là quelque chose de plus généralement du côté du féminin et pas seulement du côté de l'isterie. Poi sulla questione dei godimenti, quando lui diceva, citava Lacan, un godimento che non ci vorrebbe, che fosse quello lì. Alors, quand il évoquait, Christian Fierens, la question des jouissances, et une jouissance que non ci vorrebbe, dont on ne voudrait pas,
Io pensavo che questo godimento che si perde con la parola, con la significanza. Alors je pensais que cette jouissance qui se perd avec la parole, avec la signification. Non, la significazione. Oui. È un godimento più originario. Io pensavo che fosse un godimento dell'essere che però sta dietro. Alors je pensais que c'était une jouissance plus fondamentale, une jouissance de l'être perdu. Per tutti e due i sessi. Pour les deux sexes. E non il godimento altro. Et donc pas la jouissance autre. Quindi che il godimento a cui si accede con la parola, jouissance. Alors, la jouissance à laquelle on accède par la parole, jouissance. È un godimento sempre insufficiente. È toujours une jouissance insuffisante. Che ci spinge a rilanciare sempre ancora le discours. Alors, qui sert à relancer sempiternellement les discours. E da quel momento l'essere diviene paretre, essere accanto, si perde la dimensione dell'essere. Non so se semplifico troppo. E se a partir de ce moment-là, l'être ne deviendrait pas paretre. Diventa paressere, essere al lato. Être à côté, être à côté, par être. Oui. C'est seulement ça la question. Merci pour ces questions. Mais j'entends quand même plusieurs questions. Je vais d'abord reprendre la question de l'hystérique. Allora, io sento più domande nelle sue due domande. Comincio con riprendere la questione dell'isteria. Parce que l'hystérie, le discours de l'hystérie n'est pas ce qu'on appelle le diagnostic d'hystérie, encore moins le mot employé comme injure d'hystérique. Parce que le discours de l'hystérie non est, diciamo, quello impiegato comme une specie di ingiuria isterica, diciamo. Et ce n'est pas une pathologie, au contraire. Non è una patologia, al contrario. C'est quelque chose de très mouvant et c'est sans doute pour ça que Lacan ne cite pas l'hystérique, ou il le cite peu. Allora, diciamo, non è qualcosa che dobbiamo intendere come una patologia, al contrario, ma qualcosa di molto émouvant. Mobile, ed è per questo che lui ne parla come di un discorso. E n'è pas une affaire féminine essentiellement, même si s'il y a beaucoup de femmes qui excellent dans le discours hystérique, heureusement. Cioè, non è un appannaggio femminile, anche se molte donne eccellono in questo discorso. Il y a quand même, c'est pour ça que j'ai cité Socrate. Qui lui a une position. Ed è per questo che ho citato Socrate. C'est vraiment ce qu'il fait. C'est prendre le discours de son interlocuteur qui se prend pour un maître pour démolir son pouvoir. Lui prende il discorso del suo interlocutore che si pone come se fosse un maestro e lo smonta. Et pas pour se mettre lui-même en position de maître, entre parenthèses. Ce n'est pas pour dire qu'après, c'est bien tout. E non lo fa per mettersi al posto lui del maître. E donc ça indique, me semble-t-il, que ce n'est pas une question de répartition, comme vous l'avez dit, hein, entre les sexes. Quindi non è una questione di ripartizione tra i sessi, come lei stessa ha detto. Et que notamment la répartition là, de ce fameux tableau en deux colonnes pourrait trop facilement et erronément laisser croire qu'on a les hommes à gauche et les femmes à droite comme à l'église du temps jadis.
Allora, perché per esempio anche questa scrittura delle tabelle potrebbe farci credere erroneamente che c'è chi è a destra, chi è a sinistra, come accade in certe chiese, no? Dove uomini e donne sono in due navate diverse, in due parti diverse. C'est tout à fait le contraire. Enfin, c'est-à-dire que tout est en mouvement, comme vous le dites aussi dans votre question. Hein, c'est le que encore revenir à cette question de la jouissance que je dirais fondamentale oblige à se trouver avec encore dans non pas dans un discours, mais dans la ronde des discours. Allora, diciamo che quindi non è una questione di ripartizione di godimento, ma di movimenti, e questo ci porta un po' fuori, quindi, dalla... Nella ronda dei discorsi. Nella ronda dei discorsi. Dalla ruota dei discorsi. E allora, quando vous disiez aussi che la jouissance par la parole est insuffisante, à la fois... C'est vrai, alla fois c'est faux. E allora quando lei dice che il godimento con la diciamo dalla parte della parola è insufficiente, questo è al tempo stesso vero e falso. C'est naturellement insuffisant quand la parole se réduit au dit et toute la è insufficiente se la parola si riduce al detto. Alors que toute l'opération de Lacan c'est de faire mettre en mouvement le dire qui échappe toujours bien sûr. Mentre tutto il diciamo tutto lo, quello che fa Lacan è di rimettere in movimento il dire, no? Che sfugge tutto il tempo invece. C'est la première phrase, enfin la, une des premières phrases de l'étourdi. È una dice, di... etc. Et ça reste. Il ne faut pas croire que après qu'on l'a appris, bon, ben maintenant nous n'allons plus l'oublier, mais que ça va, nous pouvons le saisir, pas du tout. Alors, diciamo, questa è una delle prime frasi dell'étourdi, no? Condise, reste oublié. E noi non dobbiamo immaginare che questa cosa si possa afferrare a un certo punto, no? Jean-Luc. Oui. Alors, merci beaucoup, Christian. Je vais essayer d'être rapide. Hein. Trois remarques. À propos alors, tre osservazioni. À propos de la mise en question radicale de l'être et de la pensée. A proposito della messa in questione radicale dell'essere e del pensiero. Come tu l'as rappelé, c'est l'abord de l'inconscient qui nous permet cette mise en question radicale. Allora, come tu l'hai ricordato, è l'approccio dell'inconscio a permetterci questa messa in questione radicale dell'essere e del pensiero. Parce que, comme tu l'as rappelé, l'inconscient, c'est que l'être jouisse en parlant. Perché come tu ci hai ricordato, l'inconscio è che in qualche modo l'inconscio è che parlando gode. E Lacan ajoute, ce n'est pas l'être qui pense, l'inconscient. E Lacan aggiunge, l'inconscio non è l'essere che l'essere pensa. Alors, ma deuxième remarque, c'est à propos, bien sûr, de ta façon que moi j'ai trouvé, en tout cas pour moi, elle est nouvelle et originale d'aborder la question de la jouissance. Et puis, la mia seconda osservazione sul tuo modo che ho trovato molto originale e nuovo di abordare il godimento. La jouissance qui échappe. Alors, est-ce que dans le petit schéma, est-ce que nous pourrions mettre la chose, cette jouissance qui vient du réel? Allora, noi nel piccolo schema, possiamo mettere la cosa come godimento che viene dal reale? Oui. Et ce qui met en mouvement, donc les jouissances, comme tu l'as très bien indiqué,
quel che mette in movimento i godimenti, come tu lo hai ben detto. Oui. C'est que, alors, on peut reprendre d'une certaine façon l'interdit de l'inceste, mais c'est que donc cette jouissance est interdite. Ou... Allora, possiamo riprendere da un lato l'interdetto dell'incesto, come per dire che questo godimento è interdetto, oppure? Jouissance impossible, la jouissance en tant que réelle. Oppure possiamo parlare di un godimento impossibile, il godimento reale. E cela deviendrait une condition pour parler. C'est pas que la parole seulement échappe, que la jouissance pour parler, c'est que pour parler, la condition pour parler, il faut que cette jouissance soit interdite. Allora, diciamo, non potremmo pensare le cose un po' capovolgendole, cioè non tanto che parlando c'è un godimento che sfugge, quanto che la condizione stessa della parola è che ci sia un godimento interdetto. Oui. Mm? Le troisième point, c'est que... Terza questione. C'est la question du corps. Parce que, quand même... Lacan dit que pour entrer dans l'économie de la jouissance, le sujet le fait avec son corps. Sì, la terza questione è la questione del corpo, perché Lacan in qualche modo ci dice che per entrare nell'economia del godimento è necessario il corpo. C'est ce qui la rend présente au sujet, la jouissance. E il che rende questo godimento presente in ogni soggetto, proprio il corpo. Et dans la troisième, par exemple, il nous dit que le ronron du chat pourrait nous en donner une idée. E in qualche modo nella troisième lui ci dice che l'incontro de... No, il ronron del gatto, il ronron del gatto, fare le fusa okay. del gatto. Allora, che le fusa del gatto ce ne danno un'idea. Voilà, oui. C'était les trois remarques. Et donc, la question, remarque et question que je voulais adresser à Christian, le remerciant beaucoup. Grand merci, Jean-Luc. Alors, voilà les trois questions pour vous. Merci, Jean-Luc. Je dois dire que la première question ne me paraissait pas une. Enfin, je ne l'ai non, déjà oublié. Une remarque. C'est une remarque, hein, c'est ça, oui. Oui, donc. Oui, oui, merci pour ces trois remarques et questions. Donc, je vais commencer par aller tout de suite à la deuxième, oui. à la question de la jouissance interdite. Alors là, je pense que c'est vraiment une question très, très, très importante et très précise et tout à fait dans le sens où tu l'as posée. Allora, io la prima è più che altro un'osservazione, quindi non risponderò. Comincio subito dalla seconda che trovo essenziale e trovo molto ben posta la cosa, quindi riprendo da dove tu hai, dai termini in cui tu l'hai posta. E che l'importanza è di far jouer naturalmente il termine interdit, interdit come comune. Allora, la cosa importante è questo da mettere in circolazione questo termine che tu hai introdotto, interdetto. Puisque on peut comprendre que la jouissance dans l'interdit de l'inceste, la jouissance de la mère est interdite parce que ce n'est pas ça. Donc parce qu'elle nell'interdetto dell'incesto, il godimento della madre è interdetto perché ce n'est pas ça, non è quello, non è questo. E donc, en fait, la jouissance fondamentale est complètement perdue. Celui qui est pris dans l'inceste maternel, le champ de la jouissance est presque est comblé, c'est-à-dire n'existe plus. Enfin, n'est plus. Allora, chi è preso nell'incesto materno, il godimento non esiste, non, non,
non c'è più. Et donc il y a le donc oui. Il y a l'équivoque entre la jouissance interdite d'une jouissance fixée sur la mer, donc interdite qui n'est pas permise ou qui est empêchée, et la jouissance interdite qui est justement celle qui est mise en œuvre par pour parler exactement, pour parler au sens fort du terme. Donc, allora, diciamo che se sto capendo bene mi aiuterai Ance, ma che quando c'è questa fissazione di ordine incestuoso, fondamentalmente il soggetto non ha accesso a un godimento. Quindi c'è tutto un equivoco fra questo interdetto nel senso di un mancato accesso al godimento e questo detto tra le righe che invece è l'esperienza del godimento possibile nella parola. Alors pour la condition pour parler, je pense que tu seras tout à fait d'accord avec ça, c'est pour parler au sens fort du terme. Oui, bien sûr. Hein? Parce que bien sûr, quelqu'un qui est dans l'inceste maternel il peut toujours parler, mais c'est pas vraiment une parole au sens fort du terme qui se développe vraiment. Ok. Allez, d'accord. Je m'excuse, ils me disent que quand même on a encore maximum 10 minutes pour le lien Zoom, hein, donc on doit se régler un petit peu pour la discussion. Oui, vas-y. Il y a la troisième question très brièvement, parce que elle est très pertinente, je n'ai pratiquement pas parlé du corps ou pas du tout, donc le corps, ça se joue, oui. Ça veut dire que l'essence du corps, c'est la jouissance du corps vivant, bien sûr, pas du corps médical, enfin du corps... Allora, diciamo che la sostanza... Io del corpo non ho quasi parlato, però Lacan dice per godere è necessario un corpo e la sostanza del corpo è il godimento, è del corpo vivente, non del corpo della medicina, è il godimento. Donc si je devais développer cette question, je développerais le corps... Justement, comme ce mouvement du signifiant dans le mouvement du signifiant S1, S2, avec la nécessité d'inventer à chaque fois. Donc, c'est vraiment vivant. Alors, si j'ai bien entendu, vous parlez du corps vivant comme d'un corps signifiant. Exactement. Et dans la structure signifiante S1, S2. Allora, lui dice che se avesse parlato del corpo vivente, del godimento del corpo, lo avrebbe presentato come un corpo significante nel movimento appunto fra S1 e S2, questi due significanti. Voilà, bref, ma è sûr che c'è una questione che mériterait d'être développée. Oui, oui. Oui. Allora dice, questo lo dico molto brevemente, ma è una questione che meriterebbe di essere insomma sviluppata. En fait, aussi dans les titres, il y a le corps. Donc Lacan nous donne une indication encore. Tout à fait. Dicevo che anche nel titolo di questo seminario c'è il corpo, quindi. Nous nous interrogeons beaucoup s'il s'agit seulement encore classiquement du corps signifiant ou bien s'il y a quelques perspectives que Lacan va ouvrir dans ce séminaire. C'est une interrogation qui a traversé l'année pour nous, disons. De quelle jouissance s'agit-il? Par exemple... Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Non, je suis vraiment très bref, je te laisse la parole. Quand Lacan, par exemple, à propos de la jouissance autre, parle d'une jouissance dans les corps, mais hors langage, on s'interroge beaucoup sur ça, par exemple. Jean-Luc? Oui, si personne d'autre va intervenir, simplement pour ajouter, quand Christian dit corps vivant, que tu reprends corps signifiant, je crois que c'est un point important quand même d'en rester à cette notion de corps vivant. Christian a précisé qu'il n'est pas le corps de la science, parce que la jouissance,
Lacan dit que c'est une propriété du corps vivant. Allora, diciamo, Jean-Luc dice che secondo lui non è di corpo significante che dobbiamo parlare, ma di corpo vivente, perché l'un et l'autre, pas seulement du corps vivant, je disais, mais pas seulement le corps. Il faut rester quand même aussi à cette expression corps vivant, pas seulement corps significatif. Allora, je voudrais traduire autrement, je perds les... Allora, lui dice che certamente non è che escludiamo il corpo significante, ma Lacan qua sottolinea questa espressione corpo vivente, e allora è la cui proprietà essenziale è il godimento. Quindi è su questo corpo vivente che dobbiamo restare. L'uno e l'altro, lui sottolinea, l'uno e l'altro. Questo l'ho detto, però è evidente che lui sta mettendo l'accento soprattutto sul corpo vivente. Che godimento in questo corpo vivente. C'est pour cela que Lacan, ce qu'a dit Christian, c'est-à-dire qu'il y a le corps qui jouit, ma il y a le corps se jouit. Donc, allora c'è il corpo che gode e il corpo che si gode. Et le corps se jouit, ce qui fait, et c'est là où la jouissance est une propriété du corps vivant. C'est-à-dire il corpo se jouit. Il corpo si gode proprio perché il godimento è una proprietà del corpo vivente. Je pense. Oui, oui. Merci. Bon. Christian Firenz, vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Nous restons ouverts sur ce point, comme vous voulez. Bon, je pense que c'est tout à fait juste ce que vous disiez, ce que dit Jean-Luc, du corps qui se jouit. C'est une propriété, c'est la propriété du corps. Allora, io penso che queste osservazioni siano molto giuste, il corpo che si gode è una proprietà del corpo vivente. Et donc moi je dirais plutôt que à mon sens, je n'ai parlé que du corps. je n'ai pas cité le terme, mais je Allora io direi che ho parlato solo del corpo pur non avendolo citato. Ok. Dobbiamo chiudere. Malheureusement, oui, avec regret, disons, il faut quand même, bisogna che ci salutiamo. Il faut nous saluer avec regret, il faut nous dire au revoir. E se ringraziamo enormemente Christian Firenz per aver in qualche modo portato questi, per averci permesso di pensare in questo modo il seminario ANCOR. E noi ringraziamo Christian Firenz per nous avoir permis de percevoir et de comprendre de cette façon-là le seminario ANCOR. E di interrogarlo, e questo resterà una grande risonanza dentro di noi. E de l'interroger de cette façon, et cela aura des résonances vraiment importantes pour nous. E ringraziamo moltissimo tutti coloro che sono intervenuti: Pierre Coerchant, Jean-Luc Cacciali, Elisabetta e naturalmente Yania Yerkov per tutto il suo straordinario lavoro. Et nous remercions tous ceux qui sont intervenus, et notamment Pierre Coerchon, Jean-Luc Cacciali, Elisabetta Spinelli et bien sûr Yania Yerkov. Et qui ci diamo momento il prossimo sabato con la giornata sull'inesistenza del rapporto sessuale, e veramente un grazie speciale a Christian Firenz per questo suo intervento. Grazie ancora. Et nous nous donnons rendez-vous samedi prochain pour la journée sur l'inexistence du rapport sexuel, et nous remercions vraiment vivement Christian Firenz aujourd'hui. Je vous remercie pour ma part beaucoup de m'avoir invité, de la discussion, de tous ceux qui ont pris part à la discussion et qui ont mis ça en place, et du travail de Yania qui est vraiment précis, stimulant et qui suit vraiment les choses. Donc je voulais aussi vous remercier chaleureusement.
pour tout ça. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Oui. Volontiers. Au revoir. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.